la personne de Elias Djuma pas qui s'occupe des relations avec les fédérations de l'extérieur. Et parallèlement à ça, nous avons des responsabilités au niveau de la commission électorale. Nous allons commencer par les activités au niveau de la fédération, parce qu'un grand parti, ce sont les actions transversales. Pendant que nous sommes réunis ici, en train de parler de la vie sociopolitique de notre pays, en train d'égrener les problèmes que traverse la Guinée, d'élaborer et d'affûter nos stratégies pour qu'il y ait l'alternance en 2020 et que nous conduisions ce Loudalin Diallo à Sékou Touré. Bien entendu, notre président est à l'extérieur du pays également pour porter haut le flambeau de l'UFDG, pour porter à la connaissance des grands du monde, des institutions, les problèmes que traverse la Guinée et la nécessité d'un changement et d'une alternance en 2020. Et bien entendu, il y a également vos soldats, vos intrépides soldats, des membres républicains et légalistes, un parti démocrate. Donc, il y a moins d'une semaine, nos avocats ont saisi la Cour suprême. Ils ont déposé un recours auprès de la Cour suprême pour dire que c'est la loi qui est en train d'être violée, pour demander à ce que le droit soit dit et que les quartiers soient installés. Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, à l'image des conseillers communaux, c'est plus de 4000 chefs de quartier qui sont élus et qui ne sont pas installés. Parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont élus. Ils ont été élus au suffrage universel. Et quand vous prenez un minimum de 5 conseillers par quartier ou district, fois 4000, imaginez ce que ça fait. C'est environ 20 000 élus, conseillers de quartier et de district, qui ne sont pas installés dans notre pays. C'est une loi qui est en train d'être violée. Nous allons nous battre. Quand nous allons épuiser les voies judiciaires, nous n'avons pas foi tellement à notre justice, il faut le dire. Mais nous pensons, comme la justice a dit, qu'elle va se remettre en cause suite à la dernière sortie de Damaro contre elle, nous avons espoir qu'elle va dire le droit. Si le droit n'est pas dit, nous allons utiliser des autres moyens à notre disposition. Ça aussi, les missions ont mandat d'entretenir nos responsables au niveau des sections et fédérations par rapport à cette question. La dernière, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup dans l'opinion qui estiment que M. Alpha Condé a compris que les forces républicaines que nous sommes, que les patriotes que nous sommes, nous n'allons pas le permettre de briguer un troisième mandat. Nous n'allons pas le permettre de soumettre au peuple de Guinée une nouvelle constitution. Il y en a qui estiment aujourd'hui dans l'opinion qu'il veut foncer vers les élections législatives. C'est bien. Nous, c'est ce que nous voulons. C'est que nous savons, après les élections communales, on installe les quartiers, les districts et les régions et on passe aux élections législatives. Après les élections législatives, les présidentielles en 2020, ça, monsieur Alpha Condé. Ou bien, c'est ça le chemin normal, non? Très bien. Donc, parallèlement à notre lutte contre le troisième mandat inscrit au niveau du FNDC, nous allons préparer nos sections, comités de base et fédérations pour se préparer par rapport aux élections législatives. Et à ce titre, la CENI nous a adressé un courrier pour dire qu'ils vont installer le démembrement bientôt. La date limite, c'était le 12. Et cette fois-ci, il y a les CESPI pour les sous-préfectures, il y a les CESI, Commission électorale communale indépendante, pour Conakry et même pour l'intérieur du pays, il y a également les commissions électorales préfectorales indépendantes. Nous nous adressons aux responsables qui sont là. Préparez-vous, les CESPI vont être installés, mais d'ici là, au niveau de la commission électorale et de la direction nationale, nous allons organiser des réunions avec les responsables des fédérations et des sections, organiser des réunions avec les assistants techniques électoraux pour que l'UFDG puisse être présent dans toutes les CESPI, CEPI et CESI de la Guinée. Je vous remercie. En cours de l'éducation, il faut conquérir ce pays. Mais nous sommes en 2019. La situation n'a pas changé. Maintenant, ce n'est plus dans les trains d'atterrissage, mais c'est dans la Méditerranée, en Libye, au Maroc, que des Guinéens
continuer à mourir parce qu'il n'y a pas d'espoir. Et cette situation s'est aggravée depuis que M. Kony Alpha est arrivé au pouvoir. Tous ces Guinéens, tous ces jeunes valides, qui n'ont pas d'espoir. Parce que c'est difficile de faire 20 ans d'études, terminer des études, voir sa famille souffrir. Tu as ton diplôme, tu n'as pas de travail. Il n'y a pas de perspective avec M. Alpha Kony. Tous ces jeunes-là préfèrent mourir que de rester là, voir leurs parents souffrir. Ils préfèrent aller dans la Méditerranée. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont dans cette situation. Et quand vous regardez aujourd'hui, les demandeurs d'asile, beaucoup sont des Guinéens. Ils sont des Guinéens parce qu'ils ont raison. Ils ont raison de demander l'asile parce qu'il n'y a pas d'espoir avec M. Alpha Kony. Tous ces jeunes, dans tous ces pays, quand vous allez en France, vous allez en Belgique, vous allez partout. Vous voyez des jeunes Guinéens. Quand je dis des jeunes Guinéens, c'est tout le monde, manéquier, sous-peur, forestier, tout le monde veut un avenir. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Parce qu'avec M. Alpha Kony, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir pour les artistes, il n'y a pas d'espoir pour les cultivateurs, il n'y a pas d'espoir pour les cordonniers, il n'y a pas d'espoir pour les commerçants, il n'y a pas d'espoir pour les diplômés, il n'y a pas d'espoir. Avec M. Alpha Kony, la situation est catastrophique. Chacun essaie de sauver sa vie. C'est triste et c'est grave. Je voudrais en plus vous parler de l'augmentation du prix du carburant. Vous savez, dans un pays normal, dans un pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, ils appellent ce qu'on appelle la flexibilité du prix. On n'a même pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire, un gouvernement responsable n'a pas besoin de réfléchir parce que le prix à l'international est connu. Mais si le prix baisse, il faut baisser le prix. Si il augmente, il faut augmenter le prix. Mais qu'est-ce que nous constatons dans ce pays? Quand le prix baisse, le gouvernement ne réagit pas. Dès que le prix augmente un tout petit peu, ils augmentent le prix. Ils ne respectent pas le système de flexibilité. Mais ce qui est grave, c'est le manque de respect, de considération. On se lève comme ça, un beau jour, à la télévision, pour dire le prix c'était à 9 500, maintenant c'est 10 000. Sans mesure d'accompagnement, sans explication, sans respect du protocole signé entre le gouvernement et le syndicat. Comme si ce gouvernement veut encore nous provoquer. Parce que ça, c'est de la provocation. Pendant la saison pluvieuse, au moment où les gens n'ont pas les moyens de vivre, au moment où la situation est compliquée, ce gouvernement, sans mesure d'accompagnement, sans nous dire quel va être le transport, sans rien dire, de la façon la plus désolante, augmente le prix du carburant. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Ça, c'est extrêmement grave. Et puis voilà, ce gouvernement dit ça. Celui qui est supposé défendre les Guinéens, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Guinée, M. Amadou Diallo, au lieu de se taire, il sort, il se met à dire, bon, j'applaudis, le gouvernement a bien fait, parce que la dernière fois, nous avons organisé une manifestation, personne ne nous a accompagné. Monsieur Amadou, vous êtes le président, vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Guinée. Si le peuple n'a pas confiance en vous, si les travailleurs n'ont pas confiance en vous, démissionnez. Vous n'avez pas besoin de retenir un discours comme ça. Bon, pour dire le gouvernement a bien fait, le gouvernement devait augmenter de 10 fois même le prix du carburant. Nous disons, nous allons nous retirer par rapport à ça. Puisque ce gouvernement ne comprend pas la logique, nous allons nous retrouver pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Le troisième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est le cas de Faya Mino. Je voudrais ici, au nom de la direction nationale, au nom du président sénégalais, au nom des militants et sympathisants, apporter notre soutien total à Faya Mino. La justice vient de prouver qu'elle est sous ordre. Mais chez Faya Mino, parle de l'agression rebelle. Nous avons tous écouté à la radio qu'un certain M. Fofana avait déclaré à la radio BBC qu'il était le chef rebelle. Il a assumé un certain Fofana. Et puis il y a eu agression quand même rebelle à Guéquelou. M.
Mais Mimon s'est trompé de cible. Il a pensé que c'était le ministre de la justice. Il s'est rendu compte que c'était une erreur de sa part. Un homme responsable mûr, il a présenté les excuses en disant « Je me suis trompé, monsieur le ministre, je vous présente des excuses. » Mais puisque ce gouvernement, puisque la justice n'a rien à faire, on envoie Faya en prison. Mais en attendant, depuis 2010, les militants de l'opposition qui ont été assassinés, il y a plus de 104 jeunes, enterrés au cimetière de Bamako, dans le sud de la Guinée, à Womé et à Jokota, des Guinéens ont été assassinés. Ce gouvernement ne dit pas un mot, ne n'ouvre pas d'enquête. À mon humble avis, le ministre de la Justice avait une occasion à jamais d'ouvrir des enquêtes pour rechercher ce Fofana, puisque ce n'est pas lui. Si ce n'est pas moi, je recherche quel était le Fofana qui a parlé au nom des Fofana. Parce que moi-même, je suis Fofana. Il faut le retrouver, essayer de voir où il se cache. C'était ça le rôle du ministre de la Justice. Ce n'est pas de prendre Faya à la prison. Pour rechercher quoi? Je me suis trompé, j'ai présenté des excuses. Vous allez m'amener en prison pour faire quoi? Pour me tuer? Pour me prendre? Pour me condamner? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Faya? Un homme politique qui a le droit de s'exprimer. Il s'est exprimé. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Simplement, il a demandé le pardon. Au lieu que la justice fasse son travail, au lieu qu'on nous dise qui a tué Zakaria, au lieu qu'on nous dise qui a tué Kaouli, au lieu qu'on nous parle de Mme Boaro qui a été assassinée, au lieu qu'on nous parle des tueries à Jomota, à Womé, maintenant ils sont rapidement, ils sont maintenant la justice. On prend Faya Mimoun, on l'amène en prison. C'est une honte pour le pays. C'est une honte pour notre pays. Ils sont en train de suer l'image de notre pays. C'est grave. Je pense que Faya, moi à sa place, je serai très heureux. Je vais dire, écoutez, laissez-moi ici, condamnez-moi. Je vais rester en prison. Parce que là, n'a rien à faire. Il rend même service à Faya. Le mettre en prison, un homme politique, on aura service. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas de niveau, ils ne comprennent pas comment le vote fonctionne. Ils ne savent pas qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui s'est trompé, qui a présenté des excuses, on ne peut pas le mettre en prison. Monsieur Amadou Damaro Kamara, lui, comme il est quelqu'un qui est très enseigné, il dit que le Fofana c'est un prénom, que le cas ne s'appelle pas Fofana. Il est peut-être même décédé. Donc, le ministre de la Justice doit se rapprocher de Damaro pour que Damaro lui dise si le gars ne s'appelle pas Fofana, comment il s'appelle. Quand il dit qu'il est décédé, quand il est décédé, il a été décédé, on l'a enterré, il n'est pas là. Parce qu'on a un témoin, on a quelqu'un qui connaît le nom du gars, quelqu'un qui sait que le monsieur a été tué ou il est enterré. Que Damaro est le ministre de la Justice, madame la chef de cabinet. Pour le retrouver, hein, le Fofana. Je voudrais aussi, ici et maintenant, vous parler de quel façade. Un magistrat digne, honnête, sincère, qui a marqué l'histoire de la Guinée définitivement et qui est rentré dans l'histoire par la grande porte, personnelle. Mais je voudrais ici féliciter la famille de Kerr Fassal qui a donné une grande leçon au peuple guinéen, qui a refusé qu'on organise un symposium pour Kerr Fassal. C'est une très bonne chose. Je pense que ça doit donner des leçons aux artistes, aux footballeurs. Quand quelqu'un meurt, le gouvernement ne s'est pas occupé de toi. Ce n'est pas la peine de faire un symposium. Continue à faire la mamaya. Continue à mettre le drapeau rouge, jaune, vert sous des gens. Et faire un symposium. Je me rappelle de Papa Camara. Il a été abandonné, cherché de là où il travaillait. Et puis on va au palais, on met un symposium, on commence à raconter des histoires et des discours. Je veux féliciter la famille de Kerr Fassal.
je pense que les Guinéens, les artistes, tout le monde doit prendre l'exemple de la famille de Kassal. On doit pouvoir refuser, quand le gouvernement, vous avez rendu service à un pays, Kassal a été insulté, on l'a humilié, et les gens vous disent non qu'il était malade. Bien sûr, Kassal était peut-être malade. Il avait peut-être un problème de cœur, mais allez à la cardiologie. La majeure partie des Guinéens sont hypertendus, ils sont malades. Mais ce qui tue le plus, ce n'est pas la maladie, c'est l'humiliation, c'est l'ingratitude. C'est ce qu'on a fait à Kassal. On allait jusqu'à dire que Kassal a surfacturé le prix de Coca-Cola. Pour un homme digne et honnête, ce n'est pas la maladie qui a tué Kassal. C'est l'humiliation, l'ingratitude. Et ceux qui sont responsables de ça ne pouvaient pas faire un symposium. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement allait dire devant le corps de Kassal. Qu'est-ce que le président de la Cour constitutionnelle pouvait dire. Je pense que c'est une grande leçon. Kassal Kanté est décédé. Je n'ai entendu dire non, ce n'est pas 2 millions, c'est 20 millions qu'on a envoyé. Un artiste comme Kassal, c'est 20 millions que le gouvernement guinéen a trouvé pour sa famille. C'est une insulte pour ce qu'il a rendu comme service à ce pays. Vous avez entendu parler d'un livre. Le livre de Michel Alpha Condé. Le titre du livre, c'est Une certaine idée de la Guinée. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ce livre, c'est une idée de la Guinée des assassinats politiques, la Guinée des détournements des données publiques, la Guinée des routes défoncées et meurtrières. La Guinée d'un système de santé abandonné et d'une éducation bâclée. La Guinée sans eau potable, sans électricité. La Guinée de la destruction des habitations de Kaporo Rai et d'équipés. La Guinée de la misère et de la précarité. Ce n'est pas la peine de lire ce livre, c'est ce qui est dedans. Je vais vous résumer le contenu du livre de Alpha Condé. C'est une certaine idée de la misère et de la précarité dans notre pays, M. Alpha Condé. Maintenant, vous savez que le RPG Arc-en-Ciel est un parti politique qui, depuis 1991, n'a pas pu organiser un seul congrès. C'est le parti le plus désorganisé. Le RPG Arc-en-Ciel décide d'aider M. Alpha Condé à avoir une nouvelle constitution. Ils ont essayé, ils se sont rendus compte que le peuple de Guinée n'est pas d'accord. Ils se sont rendus compte que même dans le fief du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée, les gens ne sont pas d'accord. Mais croyez-moi, je suis convaincu que M. Alpha Condé, là où il est, il hésite. Il hésite parce qu'il met en jeu sa carrière. Il hésite parce qu'il met en jeu son nom. Il hésite parce que ses amis à l'international l'ont dissuadé. Il hésite parce que tous les chefs d'État, même l'ancien président du Nigeria était là, tout le monde a dissuadé M. Alpha Condé. M. Alpha Condé est un homme qui hésite. Il hésite. S'il n'hésitait pas, il aurait déjà fait une déclaration. Mais il sait le risque qu'il prend. Il sait, s'il fait une déclaration, ça va être le dernier jour de son mandat dans ce pays. Maintenant, les autres qui vivent de ça, qui veulent convaincre M. Alpha Condé. M. Alpha Condé a dit, mais RPG Arc-en-Ciel, vous avez échoué. Vous ne pouvez pas m'aider à avoir un troisième mandat. Ils ont dit, maintenant, nous allons créer une coalition. La coalition, on va trouver un nom. Il faut le faire dans ce nom-là, il y a le mot Condé. Si vous regardez la coalition, c'est d'abord Condé pour aider à avoir une constitution. Ils ont changé, ils ont donné une Condé. Mais si vous regardez là, dans le mot, il y a Condé, le gars. Maintenant, ce que le RPG n'a pas pu faire, le RPG veut s'entourer de certains leaders. Je ne parle pas de certains partis, parce que ces gens-là ne représentent pas des partis, ils représentent leur tête. Cette personne. Ce que le RPG n'a pas pu faire, maintenant, ils veulent donner des gens à M. Alpha Condé. Nous avons maintenant, madame, nous avons des gens qui sont bien. Mais un parti politique,
c'est d'abord ta légitimité. Et la légitimité d'un parti politique, c'est ton poids électoral, c'est ce que tu représentes. Tu ne peux pas dire je parle au nom d'un peuple et tu n'as personne. La majeure partie de ces partis n'ont même pas de chef. La majeure partie de ces partis organise une assemblée générale, il n'y a pas 20 personnes. Ce sont ces gens-là qui se retrouvent pour dire nous allons aider le PG. On va convaincre Michel Faponnier pour qu'il accepte de faire une déclaration. Parce qu'il nous a été rapporté, qu'on avait demandé à Michel Faponnier de faire une déclaration demandant un dialogue social. Le Premier ministre a refusé de la déclaration. Il paraîtrait qu'un même un ministre d'État, un haut du FDJ arc-en-ciel, ont failli se boxer par rapport à ça. Maintenant, la déclaration est préparée. Mais on ne sait pas qui va dire la déclaration. Le Premier ministre ne veut pas, mais avant aussi ne veut pas. Certainement, parmi les cinq là, comme il y a des suicidaires parmi eux, il y a quelqu'un qui va dire. Parce que quand les gens se retrouvent, je considère que cette affaire de corruption, c'est la mamaya que je veux savoir. C'est la mamaya. Je vais vous dire, madame la chef de cabinet, je vous ai dit que le poids d'un parti politique, la légitimité d'un parti politique, c'est un poids. Nous terminons, nous venons de terminer les élections locales. Les cinq, quand ils sont allés aux élections, les cinq associés là, vous savez, il y a 7024 conseillers. Les sept associés ont eu 0,080%. Monsieur Faponnier, le FDJ arc-en-ciel veut que ce soit des jeunes qui ne représentent que eux. Même leurs familles ne sont pas d'accord avec eux. C'est ces gens-là qui vont aider Monsieur Faponnier et qui veulent parler au nom du peuple de Guinée. La légitimité. La légitimité, c'est d'abord ton poids. C'est jamais. Monsieur Faponnier a des problèmes parce que Monsieur Sebdalé crée des problèmes à Monsieur Faponnier. Parce que pour que tu sois ministre, il faut insulter celui, il faut attaquer l'UFDG, il faut dire que tu étais responsable, il faut dire que tu as quitté l'UFDG. Ces gens-là sont venus par toi, par quel argument? Pour dire on ne veut pas de celui, on va connaître les pas. Un enfant qui sent le lait maternel, qui n'était rien dans le parti, qui ne présente rien, qui se lève comme ça pour dire mon père n'a pas été soutenu par celui. J'ai quitté l'UFDG. Monsieur Alpha Condé accepte de se photographier avec ce jeune qui sent le lait maternel. Un enfant qui ne représentait rien dans le parti. Mais dès que tu dis UFDG qui était là, monsieur Alpha Condé, te prends, il te met là. Voilà. Un enfant, il se lève, il dit non, mon père est décédé, on ne s'est pas occupé de lui. D'ailleurs, je ne suis plus UFDG. On dit bravo, bravo, bravo. On va prendre des pièces, on va prendre la photo. Hein, Bafouri? Donc, je vous ai dit que ces 0,000, il n'y a pas eu eux. Sur 7024, il a eu deux conseillers. Il y a un autre qui a eu 6 sur 7024. Il y a un qui a eu 8. L'autre a eu 17. Et là, il y a quelqu'un qu'on avait aidé qui a eu 15. Voilà. Ce sont ces gens-là qui veulent créer une coalition Condé pour la défense de la Constitution. Là, hein, ça s'appelle Condé pour la défense de la Constitution. Je ne sais pas comment on va. C'est triste, ça c'est la mamaya. Moi je termine en disant, si M. Alpha Condé veut une nouvelle Constitution, il n'a qu'à faire la déclaration. Il était parti à Mauritanie pour assister à l'investiture du nouveau président. Le président de la Cour constitutionnelle de la Mauritanie a félicité le président sortant. Il a dit tu es un grand monsieur. On a du respect pour toi. Tu as compris des risques qu'il y avait de tenter de faire un troisième mandat. Il dit tu es un homme honorable. Le nouveau et l'ancien étaient ensemble. Quand vous arrivez à Accra, au Ghana,
Les anciens chefs d'État, ils vont au marché, ils font des achats, ils sont respectés. Quand tu respectes la constitution de ton pays, on te respecte. Oui. Maintenant, si tu veux sortir par la petite porte, tu sortiras par la petite porte. Mais croyez-moi, même les vrais militants du RPG Jacques-Ancien ne sont pas d'accord pour un troisième mandat pour Michel Fakoni. Ils ne sont pas d'accord. C'est ceux qui veulent l'argent, qui veulent des postes, qui veulent être ministre, ce sont eux. Mais quand vous voyez un homme qui était dans l'opposition, qui traitait Alpha Condé de tous les noms d'oiseaux, qui se lève, qui a été ministre, et qui dit que cette constitution-là n'est pas une bonne constitution, il faut changer la constitution. La constitution sur laquelle M. Alpha Condé a prêté serment deux fois. Ce pays est un pays pathétique. Moi, j'ai critiqué de ce pays. Hein? Alors, j'ai fini mon discours en vous disant, et je le dis ici, je voudrais que vous le notiez, lorsque le président Seydou Dalein sera président de la Guinée, nous allons réconcilier les Guinéens. Nous allons mettre en place une justice indépendante, impartiale. Nous allons créer un environnement judiciaire, social, politique, favorable aux investissements pour un développement durable. Nous allons doter le pays d'infrastructures routières dignes du nom pour désenclaver toutes les préfectures et les régions de la Guinée. Nous allons créer toutes les conditions permettant aux jeunes de travailler dignement dans leur pays. Lorsque le président Seydou Dalein sera au pouvoir, il n'y aura pas de vengeance. Lorsque le président Seydou Dalein sera au pouvoir, personne ne sera emprisonné. Lorsque le président Seydou Dalein sera au pouvoir, aucun jeune ne quittera ici pour prendre la Méditerranée pour aller. Je tiens la promesse devant Dieu et devant les hommes, et c'est ce que nous allons faire. Nous n'aurons pas d'adversaire. L'adversaire de l'EPG, ce sera la misère et la précarité. J'ai dit et je remercie.